On est chez Groupe Bellon Prestige, là où l'action se passe, sur le plancher officiel, avec Carole et Pierre. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Nicolas, ça va bien? Hey, merci d'accepter l'invitation. C'est pas toutes les semaines et à tous les jours encore moins qu'on assiste et qu'on a devant nos yeux ou qu'on se retrouve à l'intérieur d'une entreprise qui en est à une cinquième génération avec Pierre, donc mère et fils. Il faut parler des débuts en 1890. 1895. 95. Racontez-nous, Carole. Alors, c'est la venue de mon arrière-grand-père qui était tchécoslovaque et a parti l'entreprise qui s'appelait J.K. Bellon & Company. D'accord. Et à ce moment-là, bien, il n'y avait pas de voiture encore. Alors, il fabriquait des tentes de camping. Okay. Des tentes de camping, pas des petites tentes, mais des tentes pour des 10, 12 personnes. Ah oui! Non, on avait des grosses familles dans ce temps-là. Eh oui, ça prenait des grandes tentes. Des grandes tentes et des auvents rétractables. Ah, alors, oui. On était déjà dans ce domaine-là pour couvrir les marchands qui étalaient leurs marchandises sur les trottoirs. D'accord. Ça, c'est un pan de l'histoire du Québec. Ah, c'est un pan de l'histoire. On retourne loin. On retourne loin. À ce moment-là, on était dans le Vieux-Port de Montréal. On était dans le Vieux-Montréal. OK. Exactement. Et quand mon grand-père a pris la relève en 1935, alors il s'est établi sur la rue Sainte-Catherine, tout près de Lormier, et c'est devenu Canadian Awning and Company. Alors à ce moment-là, les Anglais étaient très présents. Bien, voilà. Nous, les Québécois, là, français, du oui, moins, tout là, à fait. On était plutôt... À l'arrière-scène. Hein? À l'arrière-scène. On va le dire exactement. Comme ça. Et donc, les noms étaient anglophones, etc. Étaient très anglophones parce que c'était les Anglais qui avaient l'argent. Absolument. Alors, mon grand-père fabriquait toujours des auvents. Naturellement, les voitures sont arrivées. Mm-hmm. Et a aussi beaucoup développé le marché des portes, des contre-portes pour se protéger des froids. Les mm-hmm. auvents, à ce moment-là, c'était pour se protéger de la chaleur, que nous oui. avions durant l'été. Et il y a eu le passage du roi Georges qui est venu. Alors, ça a fait comme exploser un peu son entreprise. D'accord. Donc là, il y avait de la demande. Alors là, il y avait de la demande. On a fait plein de bannières pour la ville. C'est super beau. Intéressant. Et mon grand-père était assez innovateur. A converti l'entreprise qui est devenue Bellon Camping et Sport. Oh! Il a ajusté le tir. On a juste le tir. On a commencé à fabriquer des tentes remorques. Ah bon? On vendait toutes sortes d'articles de sport, motoneige, ski, canne à pêche et compagnie. À ce point-là, d'accord. C'était diversifié, là. Il était vraiment diversifié. Et est arrivé l'Expo 67. Nous avons fait la majorité des travaux pour l'Expo 67, pour des toiles. C'était super agréable. Et puis, alors, il y a eu les Jeux olympiques en 76. Et c'était la même chose. On a remporté la majorité des travaux. Alors, c'était super agréable. Là, j'étais toute petite fille à ce moment-là. C'était super le fun. Et ça a fait développer le marché de la toile sous un angle différent. D'accord. Alors, autrefois, on avait des auvents pour se protéger de la chaleur. Mm-hmm. C'est devenu plus un côté esthétique. Esthétique. Et ça donne un si beau look, hein? J'imagine que ça aussi, dans l'évolution de la qualité visuelle oui. de nos maisons respectives, puis le commercial aussi. Le commercial. Alors, ouais. nous avons travaillé le côté résidentiel et le côté commercial. Alors, tout ce qui est restauration pour des terrasses oui. extérieures. Mais en plus de ça, au lieu d'avoir l'enseigne... carré, là, on va dire, ouais. plate, là. Mm-hmm. Alors, on faisait des auvents avec... On en fabrique encore, avec des auvents avec du lettrage. Ben oui. Qui donne un certain cachet. Un beau prestige aussi. Un beau prestige. Ça montre la solidité de l'entreprise, là. Effectivement. Quand on peut se permettre d'avoir un logo. Et c'est moins cher que vous le pensez. Et c'est intéressant. Puis il faut dire un petit mot à Pierre qu'on salue. Et moi, ça m'intéresse tellement, les entreprises familiales et surtout la passation des pouvoirs. Ce que Pierre jouait quand il était petit bonhomme ici, entre les tables. Moi, c'est sûr que dans le temps de mon grand-père, j'ai appris à passer le balai. Donc, ah bon, c'est la première chose. Quand je venais au bureau, c'est pas vrai que je faisais rien. Donc, okay. Mon grand-père il disait, bon, va faire ci, va compter les boulons, fais ci, fais ça. Quand même. Donc, c'est formateur, y a pas, bon, après ça, moi, j'ai eu des changements de plan, puis okay. là, je suis ici pour de bon. C'est extraordinaire. Et ça, c'est intéressant. Puis pour la maman, pour la famille, ça doit être très valorisant de savoir que, évidemment, on ne peut pas retenir les enfants, savoir est-ce qu'ils vont vouloir embrasser une carrière dans l'entreprise familiale,
Mais quand c'est un beau oui définitif, mm-hmm. c'est intéressant. Et je pense que c'est ça qui est de la beauté de notre entreprise, qui est quand même, sans dire familiale, pour moi, là, tous les employés qui sont ici, là, c'est oui. ma famille. Bien, on le sent, là, on le sent, même ouais. quand on met les pieds ici, il y a une complicité qu'on voit pas partout. C'est ça. Ouais. Puis avec Pierre, bien, j'avais dit à Pierre, si un jour tu es intéressé, si tu ne l'es pas, bien, on pensera à une autre alternative. Mais voilà. Je suis très heureuse qu'ils en prennent la relève. Alors, on a monté notre entreprise, on a diversifié nos produits, on fabrique beaucoup sur mesure. Bon, alors, ça, c'est important. Des auvents résidentiels commerciaux, ben, des toiles industrielles, mm-hmm. des abris d'hiver. Alors, tout ce qui est hors standard. D'accord. C'est ça qui est notre spécialité. Et puis, on spécialise aussi beaucoup dans la protection, autant solaire que maintenant les intempéries. Les intempéries, alors, oui, qui sont plus rigoureuses qu'avant. Plus rigoureuses. Les intempéries, oui, définitivement. Elles sont colosses ces années-ci parce que les grands vents, il y a des vents qu'on a eu, des micro-tornades ou presque tornades ou mini-tornades ouais. qui n'existaient pas au Québec il y a quelques années. Non. Donc, vous avez ajusté le tir aussi là, dans la fabrication. Effectivement. C'est encore plus solide. Ouais. La meilleure des choses, c'est de venir vous rencontrer physiquement ici ou sinon virtuellement via le site web dont l'adresse apparaît au bas de l'écran en ce moment. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup. Bravo et encore longue vie, évidemment, à l'entreprise. Ça a été un grand plaisir. Merci, Pierre. Merci beaucoup de votre visite.